Allez, c'est parti. Salut tout le monde. Donc, moi, c'est Aurélien des Doublémothèques. Ce soir, on va vous parler du plus gros, un des plus gros rallyes au monde, organisé par BMW. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu commences, on va parler du plus gros. Ah, c'est un des plus gros rallyes au monde, organisé par BMW pour mettre en avant les GS. Et c'est un rallye accessible à tout le monde, même à des gens sans aucune prétention. Et ce soir, pour en parler, on va avoir trois invités un peu spéciaux. Alors, il en manque deux. Mais qui arrive sous peu. Qui arrive bientôt, ils vont nous rejoindre pendant le live, c'est encore sur la route. On va commencer par le plus emblématique, Paul. Sympa. De 8-0. Ouais. Merci d'être là avec nous ce soir. Non, bah, plaisir d'être avec vous, merci de me recevoir dans ce setup incroyable. Et puis bah, c'est cool déjà d'avoir ton expérience sur le GS Trophy parce que toi tu y as participé. Ça, j'ai eu la chance de participer l'année dernière au GS Trophy en Nouvelle-Zélande sur les 850 GS. Et donc je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai pu arriver là. Et j'ai deux, trois petits conseils à vous donner pour vous inscrire parce que cette année, il y a le GS Trophy qui est organisé à Barcelonnette donc en septembre. Et c'est maintenant qu'il faut se préparer pour y arriver. Et c'est vraiment open et c'est un rallye de fou. Je pense que Quentin en régie va pouvoir commencer à nous mettre les images de qu'est-ce que c'est le GS Trophy. On va commencer peut-être par là. La deuxième partie, cette vidéo va vous montrer un petit peu comment y arriver. Donc là-dedans, je suis là-dedans. Hein, donc le GS Trophy, c'est encore une fois par BMW Monde. Chaque pays envoie une équipe et c'est des pays qui sont son pays pour envoyer les trois meilleurs représentants de la gamme. On a commencé en 2008, il y a eu l'Argentine, le Canada, la Mongolie, la Thaïlande. Moi j'ai eu la chance d'aller en Nouvelle-Zélande et le prochain il est en Allemagne. Donc ça fait moins rêver, c'est un peu côté connu, mais je pense qu'il y a vraiment d'avoir des paysages de fou. Alors moi, un hélicoptère, donc je suis un peu jaloux de ce Nouvelle-Zélande. Ouais. Alors par contre, c'était un des GS Trophy, je crois qu'il y a eu plus d'euros. D'accord. Pas que, mais attends, là, on a vu des plages, des images de sentiers un peu sous la montagne. Tout ça, c'est payé par BMW pendant deux semaines. Aucune expérience vraiment, je pense que c'est le meilleur rapport qualité de prix en élément moto. Il y aura maintenant des motos arrivées, je pense que c'est notre prochaine invité qui arrive. Donc il y a un truc qu'il faut faire, c'est ça. Et ça, c'est le message que tout le monde pense à tout le monde. On ne va pas avoir d'invité qui vient. Pour le coup, il y a encore plus d'accessibilité. Il y a peu de participants qui s'engagent et il y a encore tellement de passes. Je vais vous donner une autre image par là. J'ai assez subjugué par les images qui... Ah, ça c'est moi, tu vois. C'est toi, là. Eh ouais. Qui sable tes potes avec grand plaisir. Qui a un peu de tous les pays, les Américains, les Sud-Africains sont pour l'instant les meilleurs, ils ont mis trois fois dessus. Ah ouais. Il y a un peu la rage. Ouais, ils ont un pays qui est sur le road, les Américains, les Goldbots. Il y a un niveau et une culture pour le road qui est sympa. Et la France est toujours très bien représentée. Ouais, c'est quoi? Il y a un bon niveau. Équipe de 3 personnes plus un journaliste de chaque pays qui vient couvrir l'événement, donc ça fait 20 équipes de 4 plus le staff. Il y avait 3 équipes de tournage, une pour faire un long métrage, une pour faire une vidéo tous les soirs et une pour les réseaux sociaux, hélicoptère, des médecins. Ça coûte du pognon, okay. C'est un truc de fou. Et évidemment, il y avait aussi plusieurs équipes VIP puisque BMW en profite pour inviter il y a tous les grands patrons de BMW qui sont là et qui invitent leurs sponsors. Qui découvrent aussi, qui font de la moto, donc ils ne sont pas mieux lotis que les concurrents. Donc ça fait rêver. Quand on voit ces images, c'est fou. Car... Ça montre aussi tout ce qu'on peut faire avec ce genre de moto, parce qu'on l'oublie souvent. Il y a malgré tout une vraie capacité de franchissement, même si on prend des 1250 qui ont l'air super lourdes. Ah ouais. C'est lourd qu'à l'arrêt, parce que dès que ça se met vraiment en marche, bon, après il y a forcément une composante de taille. Effectivement, quand les sentiers deviennent trop étroits, il faut quand même adapter le gabarit, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on peut faire un truc incroyable avec ces motos et c'est cool d'avoir la possibilité d'avoir un rallye qui est quand même pensé
pour ces motos-là, ah ouais, sur lesquelles tu peux vraiment t'éclater. Ils ne sont pas fous. Ils veulent mettre en avant la moto, donc ils ne vont pas l'envoyer à des trucs impossibles. Donc, si on arrive à y aller, théoriquement, c'est que du bonheur. Donc, pour ça, tu vas peut-être nous parler des qualifications. Parce que moi, je découvre un peu en même temps, parce qu'on n'a pas eu mille conversations étant à Bordeaux et à Paris. Donc, chaque pays est roi dans l'organisation de son GS Trophy. Et pour faire mettre en avant, donc, trouver trois candidats pour représenter ce pays. Donc, en France, c'est à Barcelonnette en septembre que ça se passe. Et il y aura des épreuves dont on va en parler plus tard. Et les trois meilleurs, enfin, je crois que ça, c'est la pré-qualification. Mais en gros, il va y avoir pas mal de choses pour se qualifier. Mais c'est accessible à tout le monde. Vraiment, avec un peu de préparation, tout le monde peut y arriver. Okay. Et j'attends peut-être nos invités pour rentrer dans le détail. Je profite qu'ils ne soient pas là pour qu'on parle un peu de toi aussi. Okay. Ça fait pas longtemps que tu fais de la moto ou tu fais vraiment du off-road? Alors, ça fait pas longtemps que je fais du off-road parce que j'ai eu un usage très, comment on pourrait dire, quotidien. Quotidien, voilà, c'était vraiment pour le côté pratique de la chose pendant longtemps, avec un peu de plaisir. Et en fait, j'ai vraiment redécouvert la moto à travers le tout-terrain, à travers l'accès à des paysages de ouf en moto. Et le côté surtout sportif du truc qui est vraiment très très drôle parce que c'est vrai que moi j'ai pas fait de cross, d'enduro, j'ai pas eu cette chance étant petit. Et quand tu découvres ça plus tard, c'est vrai que le trail ça a ce côté un peu plus raisonné, plus mature du cross dans le sens où la composante principale c'est quand même le voyage, l'aventure et t'as pas envie de casser la machine. Donc il y a vraiment un respect de la machine, du pilote et surtout... voilà, ce qui compte, c'est aussi arriver à destination, quoi. Je pense que ton image match pas mal avec le GS Trophy et l'image du trail. On le voit dans tes vidéos. Donc, voilà, un énorme YouTuber, tu as 700 000, 600 000 abonnés sur YouTube. 630 000, un truc comme ça. 630 000, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, ce n'est pas que de la moto dans ta chaîne. Non, en fait, nous, on a commencé avec le parcours et l'escalade dans vraiment milieu urbain, avec cette idée de ces sports-là nous permettre d'accéder à des endroits un peu reculés, difficiles d'accès parce qu'il faut grimper. Donc on a fait beaucoup d'infiltration, au sens large du terme. Souvent, on a essayé de mettre d'ailleurs, on peut peut-être mettre une image de la régie de ta dernière vidéo où tu fais du rappel avec une 1250 GS. En fait, une dinguerie. Exactement. Parce que nous, de par nos pratiques, on a beaucoup utilisé des cordes, beaucoup fait de rappel. On n'a pas retourné la vidéo, là. Si Quentin arrive à la play, normalement, la GS descend. Parce que l'idée, c'est de se dire... Je ne crois pas, c'est photo. Merde, Quentin. Qu'est-ce que tu fous? Non, ouais. En gros, l'idée, c'était de se dire quel est l'obstacle qui paraît le plus infranchissable pour une moto. Et voilà, proposer une solution, proposer une idée. Donc, tu arrives à détourner ta pratique de la moto. Et du coup... Tu as des ambitions assez poussées. Je crois que le GS Trophy, dans ton plan de carrière, on va dire, de pilote, c'est une super photo encore. Ouais, j'aime beaucoup. Mais tu vois, ça, c'était un peu l'image que j'avais en tête quand j'ai pensé le projet. Je voulais ce shot latéral de la moto, voilà, vraiment tête en bas. Et c'est assez rigolo parce que quand j'étais en cette position, donc là, il faut dire qu'il y a encore 15 mètres de falaise plus bas. Quand tu es en cette position et que tu vois le sol, là, tu te dis, bon, si le truc casse, si la corde pète, à quoi ça sert de lutter, quoi? Tu sais, genre, t'as des situations où tu te dis non, je me bats jusqu'à la fin, tu vois, je me laisserai pas mourir comme ça. Là, tu vois la moto sur toi, la falaise, tu vois, là c'est foutu, quoi. Mais bon, ça s'est bien passé parce qu'on était avec des professionnels de fou. Et ce qui est rigolo, c'est que tous les ancrages, tout le système d'accroche a été construit pour l'occasion. On avait une super équipe de pros avec Pascal Ryder, Tom Barrer et tout. Tom, qu'on salue, on va en parler plus tard aussi. On s'est vraiment éclaté là-dessus. Bon, en tout cas, la vidéo est dispo sur YouTube. Si vous tapez Hit the Road, ça devait être une des dernières rappels en BMW GS pour le lien. Et pour en revenir à tes ambitions. Donc, oui, parce que du coup, donc, en gros, nous, on a vraiment découvert, c'est comme ça qu'on dit, découvert le sport moto. Et du coup, forcément, l'enduro à plus long terme. Donc, le GS Trophy, c'est l'idée de faire quelque chose avec cette 1250 GS. Puis après, sans forcément oublier le trail, migrer sur quelque chose de plus endurisant, si on peut dire comme ça, avec des rallyes et d'art d'enduro et peut-être en objectif le Dakar. Donc voilà, c'était un long chemin. Le Dakar. Ouais. Donc, le GS Trophy peut amener des rêves qui sont peut-être super ambitieux. C'est un peu le Graal, le Dakar, carrément, dans la pratique de la moto off-road. C'est pour ça que c'était très modeste. Tu vois, c'était dans mon appareil, je disais peut-être un objectif de... Voilà. Donc, ça fait un an que tu fais du off-road et tu es déjà en train de dire « je vais faire le Dakar ». C'est le rêve, mais je pense qu'il faut avoir des grandes ambitions et surtout s'en donner les moyens. Mais ce GS Trophy, c'est l'opportunité de se dire n'importe qui a, si tu me disais tout à l'heure, une carte grise d'un véhicule BMW, en fonction des années, ça change un peu. Ouais, mais bon, le prérequis, c'est que vous avez une GS, vous pouvez faire le GS Trophy et vous pouvez surtout le gagner sans être un champion. Donc aujourd'hui, tu n'es pas un champion,
mais tu vas peut-être l'être en septembre. Donc, champion de GS Trophy, on verra. Et puis l'idée, c'est faire son équipe. Donc, alors, te qualifier, c'est d'abord en solo. Hein. Donc, au début, c'est pour toi. Septembre, il n'y aura pas de copains. Tu peux en avoir pour t'aider. Mais l'esprit trail d'équipe, elle arrive après. Quand justement, tu composes avec les gars que tu vas te battre pour avoir ta place, les trois premiers, après, ça sera tes coéquipiers. Oui, ceux qui se sont qualifiés aussi. Avec toi. Le podium, c'est ceux qui partent. D'accord. Donc, tes adversaires seront tes coéquipiers. Une équipe de trois. Plus un journaliste. D'accord. Ok, ça va. Donc, ça, c'est la base. Pour les femmes, c'est un peu différent. Mais au final, il y a quand même une équipe qui est constituée un peu à l'international. Donc, ça, c'est donc l'équipe avec qui j'étais. Donc, on a Vincent, Nicolas et William, le média. Et c'était juste incroyable. Donc, ça, on venait d'arriver. C'était au début, puisque la moto est propre. C'est au tout début. Au tout début, c'est shooting. Là, ils faisaient un shooting d'équipe. Donc, il y a un planning qui est au cordeau, organisé par BM. Là, vous faites ça, mais on est chouchouté. C'est incroyable, quoi. Du début jusqu'à la fin. À la seconde où on te dit, ça y est, t'es troisième, t'es deuxième, t'es premier, t'es qualifié, tout devient un rêve. T'as tout de suite des interviews, t'as tout de suite des lumières sur toi. Tu rentres, t'as déjà direct un mail de BM qui te dit, bon, alors tu vas voir ça. Tu reçois ton colis, enfin tout ça aussi, on va en parler, c'est juste magique, quoi. Donc, t'es super fier de représenter ton pays. Et puis, ça te donne une image. Moi, j'ai la chance de travailler dans la moto. Donc, en plus, ça m'aide vachement d'avoir avoir cette petite expérience. Et c'était, à titre personnel même, c'était cool. C'est un truc de fou. Donc, puis Nouvelle-Zélande. Et Nouvelle-Zélande. Ouais, par contre, parce que t'es 850 GS, tu vois. Donc, Oui, mais si tu vois le coût de l'aventure pour un individu qui voudrait partir rouler comme ça en Nouvelle-Zélande, c'est tout de suite inaccessible. Alors que via cette qualification à Barcelonnette, c'est gratuit. Les prix changent un peu en fonction des paquets du GS Trophy, pour se qualifier en tout cas. Moi, l'année où j'avais fait, c'est dans les 300 ou 400 euros l'inscription. D'accord. L'inscription pour les qualifs, hein, pour aller chercher sa place. Ok. Et je crois que cette année, ça va sûrement être un peu. J'ai pas les prix, mais ça va peut-être réduit si c'est un plus petit format sur les qualifs. D'accord. Mais tu peux gagner un voyage qui est inestimable. Tu peux pas acheter ça. Ouais. D'autant plus qu'après, la moto, il faut quoi être là-dedans ? Alors, la pratique voulait que sur les premiers GS Trophy, le BMW proposait aux concurrents de racheter leur moto à un prix plutôt intéressant, surtout qu'il avait un historique. Et malheureusement, à cause du Covid ou du GS Trophy qui était quand même assez loin de l'Allemagne, de Nouvelle-Zélande, on n'a pas eu l'occasion de racheter nos motos. En tout cas, on ne nous l'a pas proposé. Ça a peut-être évolué, mais aujourd'hui, j'ai pas eu ce choix. Alors, personnellement, la 850. Mais t'as gardé quand même la tenue. Par contre, les freins, tout ça, c'est cadeau dès le début, ils nous le disent. Hein, donc ça c'est la tenue Adventure. Ouais, je pense que Quentin peut nous envoyer la photo de ce qu'on reçoit. Donc, juste avant Noël, BMW a envoyé à tous les finalistes un carton énorme. Ça, je peux dire qu'on suit le tracking de très, très, très près. Ouais, j'imagine. Et dedans, il y a toutes nos affaires. Donc, avant, ils nous ont dit, vous pouvez être dans une concession BM, essayer vos tailles. Donc, ça, c'est mon carton. Donc, on a le sac, on a le t-shirt, on a le pull, on a tout. Franchement, on a des chaussettes, on a un duvet, on a un tapis de sol, on a un oreiller. Donc, à la fin, je pense que BMW donne tout ça aussi pour maîtriser son image aussi. En fait, tu n'as pas le droit de venir avec un t-shirt SW Motec, par exemple. Ils ne veulent pas qu'on vienne pourrir un peu l'événement avec d'autres marques. Ils veulent donc c'est un cadeau pas empoisonné. Ça nous fait super plaisir, on est trop fiers de porter ça. Mais, voilà, mais derrière, il y a un petit intérêt, je pense, marketing. Et on t'a donné, il faut que tu viennes avec. Tu viens pas avec ta tente deux secondes si on t'a filé une tente. Tu peux pas venir avec ton gros KTM. C'est génial, quoi. On a nos invités qui sont prêts, j'ai l'impression. Eh ben oui. Qui ont eu une longue route. Ils sont partis ce matin de Paris, mais je crois que la route a été longue. Ils vont peut-être nous raconter un petit peu ce périple. Donc, on a deux invités qui viennent, en plus de ça, créer un peu l'équipe SW Motec. Donc, grâce à notre expérience sur le GS Trophy, on s'est dit, on va en profiter. Et donc, on a Paul de Hit The Road, Alexis Carb et Alex qui vont nous rejoindre. Ils sont encore en plus en chaussures de ski, c'est impeccable. Je t'avoue, ça fait un peu une arrivée de héros triomphante, tu sais. Donc, à la base, le live devait être à 20h, mais comme ils viennent d'arriver, on a bien fait de décaler parce que je pense que sinon on l'aurait fait tout seul, ce live. Mais tu vois, moi, je suis pas vraiment sûr qu'ils m'entendent parce que d'expérience de la route, je pense que là, ils doivent avoir des acouphènes incroyables. Ah, il y a des chances. Je pense qu'ils ont. Comment ça va ? Comment ça va bien ? Ça va ? Ouais. Pour savoir qu'on est tous testés, on a fait des tests, c'était un prérequis. Avant de venir, on est bien testé, on est bon. Ça va ? On est bon. On est bon.
Salut. Ça va? Bon. Merci de nous avoir rejoints. Vous avez vu, vous avez l'air fatigué. La route a été longue. Un peu, c'est chaud. On voit la coupe de cheveux avec les aérations de casque. Vous êtes tous brandés. Ouais, mais putain, on s'est dit, voilà, on va faire le petit live en corporate, quoi. Très bien. Non, la route a été longue. La route a été. C'est surtout l'avant-route qui a été compliquée, quoi. Tiens. Ouais. L'installation, tout ce qui est préparation des bécanes, on est passé un peu par. Le GS Trophy, ça commence maintenant sur la préparation, quoi. Donc, c'est en septembre qu'il faut s'inscrire. Pour ceux qui ne savent pas, c'est chez les concessionnaires qu'il faut aller s'inscrire. Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes au public. Okay. Donc, c'est les concessionnaires qui ont les infos. Il faut se rapprocher d'eux. On n'a pas encore vu le règlement, justement, sur savoir est-ce qu'il faut la caractérisation ou non. Ça, c'est des détails qui peuvent arriver au fur et à mesure. Mais à partir du moment où vous avez votre moto, il n'y a pas vraiment de truc à lire. Il ne faut pas avoir de licence. Ça veut dire que c'est une course pour les amateurs. Donc, si vous êtes champion du monde d'enduro, ce n'est pas forcément pour vous. Donc, par exemple, ça peut être très piégeux. Si vous avez une licence, même à la journée, cette année, donc sur 2021, d'enduro, de piste, peu importe, une licence FFM, vous êtes considéré plus comme un amateur. C'est un peu ingrat. Si vous faites une journée de roulage de vitesse, qui n'a rien à voir avec le GS Trophy, ça peut vous coûter votre place. Tous les ans, il y en a qui ne rentrent pas en finale à cause de ça. Donc, pas de licence, même à la journée, et une BM à son nom. Et déjà, là, ça y est, il n'y a plus qu'à s'entraîner. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Ouais. Donc, vous roulez sur quoi, les gars? Allez, je commence. Quand vous voulez, vas-y. Allez, du coup, moi, je roule sur une 1200 GS de 2018, donc la version exclusive, qui a été full préparée par SW Motec. Donc, à faire. Le seul truc qu'il y a de BM dessus, c'est le logo et c'est le moteur. Tout le reste, c'est chez eux. Voilà. Moi, je roule sur plein de trucs différents. C'est vrai. J'en ai quelques-unes. J'ai un 90 Urban GS. J'ai l'Air 80 GS fraîchement équipé SW Motec. J'ai un 1150 GS. Ah, t'es quand même corporate. Je suis très corpo. Et le dernier, c'est un R100 RT de chez BMW de 81, transformé en café racer. Donc, c'est que des boxeurs, que des BM. Donc, en fait, t'as le choix de la carte grise. Parce qu'en fait, on disait qu'il fallait au moins avoir une carte grise BMW. C'est ça, j'ai les quatre. Un peu le choix. Tu te dis, avec quoi je m'inscris? Par contre, il n'y en a aucune qui est parfaite. Hein, c'est choix, vrai, en fait, ça aurait fallu que tu fusionnes un peu tout dans une seule, tu vois. Mais ça peut être intéressant sur la lecture du règlement, parce qu'en fonction de la moto qu'on a, ça peut nous aider ou nous rendre la vie plus difficile pour se qualifier. Moi, personnellement, j'avais une X-Challenge 650, donc c'est un peu la moto tricheur. Ça fait 150 kg pour 50 chevaux. Bah, s'il y a un truc technique où il faut la relever, ça fait la diff quand même par rapport à une GSA, quoi. Ouais. Par contre, dans ma catégorie, y avait moins de places. Donc, par exemple, il n'y avait que deux places sur tous ceux qui avaient une moto légère comme moi. Et deux places, il ne fallait pas se louper, quoi. Alors que ceux qui avaient une grosse moto, dans les qualifs que j'avais faites, il y avait sept places. Pour la finale. Pour aller à la finale. Okay, ouais. Du coup, j'avais une moto plus facile, mais par contre, il ne fallait pas se louper. Et ceux qui avaient une moto comme moi, ils ne venaient pas là pour faire des photos. Alors que ceux qui ont une 1200, la majorité, ils venaient là pour se balader un peu, quoi. Donc, ça pouvait être pénalisant à la fin, quoi. Ok. Et du coup, moi, j'ai une 1250 GSA de 2020 qui a déjà bien roulé, qui a 18 000 bornes, un truc comme ça, depuis moins d'un an. Beaucoup d'off-road, entièrement équipé chez vous. Donc avec tout... Il ne faut pas plein de trucs, mais quand même des essentiels, surtout vraiment en termes de sabots, d'extension de sabots. De protège, je parle encore en Portugal, protège cache culbuteur. Partiellement, vous avez le flat twin, c'est ça qui va se poser tout le temps. Ça aide. Hein. Donc ça aide vachement, mais il faut le protéger parce que vous allez la poser tout le temps. Ouais. Donc là, on a un exemple type. Alors, cette photo, il manque une partie importante. Le crash bar ne suffit pas. Il faut aussi le cache culbuteur qui vient lécher parce que sinon, sur quelque chose de plat, c'est bien. Le crash bar touche en premier. Premier caillou au milieu, on est dedans. Donc il faut bien les deux, crash bar plus. Protection exactement. De cylindre. Et vous allez voir que sur le terrain où on va, un bon sabot, on a tendance à poser le sabot, presque user autant le sabot que les pneus. Donc c'est bien d'avoir un. Alors, tu plies un peu d'étapes parce qu'on n'a pas encore expliqué où est-ce que vous allez. Oui, c'est vrai. Donc on a créé cette petite équipe de trois là. Vous êtes les trois qu'on va essayer de porter les couleurs. Vous allez nous raconter votre histoire, votre aventure, comment aller au GS Trophy ou pas. Mais en tout cas, vous allez nous faire rêver. À partir de maintenant jusqu'au mois de septembre, on va vous suivre. On a aussi Clément qui est derrière et qui va les suivre de près pour créer du contenu. Ça fait très love story ta phrase quand même. De maintenant en septembre. Vous êtes bloqué, vous vivez GS Trophy. À travers ça. En tout cas, alors, on va vachement communiquer. On va vous suivre, on va vous aider. Et ça va commencer dès demain matin.
Ça va commencer ce matin pour vous, je crois. Cette nuit. Et on va utiliser donc aussi l'emblématique Tom Barrer comme instructeur qui va vous emmener en stage dans son coin vers Narbonne. Donc ça va vous changer de l'Île-de-France et de la boue. C'est clair. Et derrière de la caillasse, de la bouffe. Les protections. Et, oui, et donc pendant 4 jours, vous allez faire un petit stage intensif avec Tom pour vous préparer à des fondamentaux pour préparer la GSTrophy. Donc ça, vous allez pouvoir le partager aussi sur vos communautés. Donc si vous avez des questions et vous voulez voir ce qu'on prépare, comment on prépare GSTrophy, il faut vous suivre. On mettra peut-être en lien, en description de la vidéo, tous vos réseaux sociaux pour qu'on puisse faire le lien. Carrément. On sait qu'Alexis est très fan des stories, donc faut te suivre de près. On aime bien partager ce qu'on voit au quotidien, quoi, tu vois. Ah bah ça, c'est sûr. Surtout ça. Hein. Donc là, vous avez des nouvelles bottes. Vous êtes déjà bien équipé, les dernières bottes. Ouais. Ils font un bon bruit de bottes neuves. C'est vrai, ça. Petit côté Robocop. Tu vas éplonger dans la boue deux, trois fois. Est-ce qu'il y a des questions déjà? La régie nous dit. Il y a pas mal de bonjour. Bon, on ne va pas faire les bonjours de tout le monde. Donc, bonjour à tous. Bonjour à tous. Je pense qu'on a fait le tour tout à l'heure avec Paul sur qu'est-ce que le GSTrophy. Donc, ce que je disais, c'était un des plus grands rallyes du monde organisé par BMW pour des motos off-road, accessible à tous. Pour moi, c'est incroyable. Il ne faut pas grand-chose. Moi, je considère que j'ai eu beaucoup de chance d'y participer et que j'ai aucune compétence plus que la moyenne, quoi. Et de plus en plus, en plus. Après, ça m'a permis de progresser aussi. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai un niveau que je n'avais pas avant. Oui, plus tu roules. Et il y a aussi une moyenne d'âge. Vous le voyez, alors c'est qui est en train de rajeunir. Ouais. Mais quand on achète une GS, on a l'impression, quand on a la trentaine, d'avoir un peu brûlé les étapes quand même. Et le GSTrophy, ça se ressent aussi. La moyenne d'âge, elle est plus âgée. Donc, vous avez une condition physique qui peut vous aider. Par contre, c'est en train de se rajeunir aussi toute cette étape-là. C'est en train on voit maintenant même les racailles, elles veulent des GS. Donc, ça va aussi aller dans ce sens-là. Mais tu sais que tu as des gros loulous très très doués avec la moto. Ah, j'en vois passer parfois. Des gros loulous. Ah oui, oui. Ouais. les mecs qui te On voit leur départ. C'est sûr que. C'est très acrobatique, quoi. C'est très acrobatique. Mais c'est-à-dire qu'ils peuvent se qualifier comme tout le monde, quoi. Ouais. Et ben oui. Alors, c'est pas que faire des wheeling, GSTrophy. C'est aussi. De la maniabilité. D'ailleurs, peut-être qu'on peut passer. Il y a une vidéo qui pourrait sûrement vous intéresser. C'est une de mes qualifications sur le premier GSTrophy que j'ai fait. Alors, c'est le GSTrophy que j'ai fait en 2017 qui était à la Suisse. On voit Tom Barrer d'ailleurs, l'instructeur. Donc, ça, ce GSTrophy, je l'avais fait sans aucune préparation et j'avais réussi un peu par chance à me qualifier à la finale. Je vois Tom qui est un peu incrédule là. Tu vois, il te regarde pas trop sûr. Je le connaissais pas encore très bien. Pas trop sûr de toi. Donc là, je vais faire plein d'erreurs. Il nous demande si on est prêt à relever des motos. C'est sûrement ça. Et il se moque un peu de moi déjà. Donc, alors, je sais pas si dans le vous t'es inclus du coup. Je crois que c'est surtout basé sur le retard. Ah oui, bien sûr. Oui, c'est vrai que c'était par rapport à ça. Après, là, c'est des exercices de base. Et ça, si vous voulez faire le GSTrophy, c'est toujours pareil le GSTrophy. Les qualifications, ça sera sur de la lenteur. Ils ne peuvent pas se permettre d'envoyer des gens faire des chronos. Donc, ça va être du technique. Et du coup, ça, il n'y a pas besoin d'être bon. Par contre, ça se travaille. Ce n'est pas inné, quoi. C'est comme faire un plateau moto. Si vous n'avez pas bossé le plateau moto, vous le ratez. Je pense qu'on repasse le plateau demain, tous ensemble. Là, personne ne l'a. Oh. Ça dépend avec. Ah, si t'as bossé tes langes, GSTrophy, tu l'as. Moi, sinon, non. Moi avec je suis curieux. Moto, je pense l'avoir. Tu mets une autre moto, je pense que je l'aurai pas. Peut-être on pourra refaire un plateau sur le machin et on fait le test, tu vois. Ah, écoute, on verra ça. On donnera le résultat en story. Donc, ça, ce genre de vidéo, n'hésitez pas à les regarder. Donc, d'ailleurs, ça, c'est une information importante que je peux déjà vous révéler, qui n'est pas un secret. C'est le GSTrophy est en train de s'internationaliser sur les qualifications aussi. C'est-à-dire que les exercices que propose la France doivent être en raccord avec les exercices que vont faire les États-Unis, l'Australie, d'autres pays. Du coup, ils ne vont pas créer des exercices incroyables. Il faut que ça soit duplicable par tout le monde. Ouais. Et ils essayent aussi que, par exemple, le parcours de lenteur, ils vont le mesurer. Il faut qu'il soit le même peut-être que d'autres pays. C'est vrai qu'il est technique celui-là. Donc là, par exemple, je ne savais pas prendre ça. Donc c'est une technique qui s'apprend, qui n'est pas du tout naturelle. Ah, t'as quand même été qualifié pour. Avec ça, je n'ai pas été qualifié. J'ai perdu. T'as perdu. Ce truc-là, je n'ai pas allé. Ça, c'était pour la moto justement qui est allée en Mongolie. Donc en Mongolie, c'est Olivier. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait une équipe, ils étaient incroyables. C'était quoi, 2015 2016, un truc comme ça? C'était 2018, la Mongolie. Mongolie, Jérôme, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Franchement, ils m'avaient impressionné. Les deux premiers, ils avaient fait un sans faute. C'était magnifique. Des trialistes, je ne sais plus si c'était des trialistes, mais
Vraiment un niveau incroyable. Il met la pression. Et donc là, vous voyez, donc je suis bidon, hein. Mais il y a des épreuves. Là, j'ai fait tomber la moto, par exemple. Je me suis mis dans le rouge tout seul. C'est disqualifié ? Non, c'est pas disqualifié, mais mon épreuve de là, elle est nulle, quoi. Donc j'ai perdu tous les points, quoi. Et le problème, c'est que derrière, juste relever la moto, la pression, tout le monde qui t'encourage, je suis cuit, quoi. Donc il faut arriver à être lucide. Et ça m'a vachement aidé de rater, on va dire, ce GS Trophy pour mieux le réussir l'année d'après. La subtilité, c'est que dans toute une vie, on peut faire qu'un seul GS Trophy, à moins de changer d'identité, de sexe. On peut le gagner qu'une seule fois. Vous pouvez faire les qualifs autant de fois que vous voulez. Ah oui, bien sûr. Mais tu peux partir au frais de la princesse. Ah là, moi, je peux plus y retourner. Je suis allé, je peux plus y retourner. Ouais. Du coup, tous les deux ans, les trois meilleurs, ils sautent. Donc, c'est ça. Et comme il n'y a pas énormément de 109, C'est tout, sur toute la vie, quoi. C'est-à-dire que si tu vas en Albanie, tu ne tireras pas dans deux ans en Colombie, tu vois. On peut peut-être bien choisir. L'année où je l'ai fait, il y avait à peu près 120 participants. Et sur 120 participants, il y a trois places. Moi, je trouve que c'est énorme, 3 places sur 120. Quoi. Surtout clair. Que sur les 120, il y en avait peut-être 30 qui jouaient la gagne. Donc, en fait, t'as 3 places sur 30. Quoi. C'est énorme. Ouais. Et après, il y a un taux de chance aussi qui est important parce qu'il ne faut peut-être pas crever, il faut être en forme. Il y a plein de petites choses comme ça qui font que le meilleur. Je suis sûr que moi, quand j'ai décroché ma place, il y en avait derrière moi qui sont meilleurs que moi. C'est sûr. Mais juste, ils ont pas été. Et alors, qu'est-ce qui fait que toi, c'est passé? Tu dis que c'est sur un coup de chance. C'était ma journée, j'ai pas fait de bêtises, j'ai pas crevé, j'ai pas eu de gros problèmes. Ouais. Moi, cette année-là, j'avais Mike Challenge. Déjà, j'ai fait le malin en premier virage, je suis tombé. Parce que je suis parti beaucoup trop vite. J'ai collé la roue de Vincent, d'ailleurs, qui est parti avec moi après au GS Trophy, qui a pilé et je perds l'avant d'entrée. Donc, tombé direct, j'ai cassé mon repose-pied. Mon moral s'est effondré d'un coup. J'ai dit bon, ok, on n'est pas parti, j'ai déjà perdu. Mais du coup, me dire que j'avais déjà perdu m'a retiré la pression. Me dire bon, maintenant c'est fini, j'ai perdu, je roule pour moi. Et ça change beaucoup de choses. Après, il y a pas mal de stratégies. Moi, ma stratégie, c'était de rouler tout seul parce que comme ça, j'attends personne. Il faut savoir que les épreuves, donc ça, c'est la finale, mais pour se qualifier à la finale, c'est vachement bien fait. On reçoit des bouquins en disant voilà toutes les épreuves, c'est à vous de décider quelles épreuves vous allez en premier ou pas. D'accord. Et ça, c'est des décisions un peu individuelles. Donc, vous êtes évidemment influencé par les copains et vous avez envie d'y aller tous ensemble. Sauf qu'il y a des épreuves où on ne peut pas y aller tous ensemble, c'est un par un. Du coup, si à chaque fois vous faites une épreuve et vous attendez votre copain qui passe, et une fois qu'il a fini, en plus, vous allez vous attendre, vous allez raconter, j'ai failli tomber là, j'ai failli ça, ben, vous perdez un temps de fou. Moi, j'arrivais sur l'épreuve, j'attendais personne, je montais, je le faisais, je m'en allais. Et avec ça, tu peux faire beaucoup plus de choses. Quoi. Par contre, si j'avais un problème, personne n'était là pour m'aider. C'est game over. Donc, voilà, faut prendre un peu des risques sur. Ou alors, il faut savoir se démerder par soi-même. Ouais, mais parfois. Je pense que si tu crèves, tu vas passer tellement de temps que ça va changer. Et tu te fatigues aussi. Oui, mais après, il y a aussi des techniques à travailler pour se fatiguer moins, pour faire la même chose. Il faut aussi avoir de la technique pour rendre peut-être un demi-tour où tu fais un dérapage. Tu vas gagner du temps par rapport à un truc où tu fais ça pendant deux heures et ça peut paraître kéké, mais derrière, tu as gagné du temps, tu t'es pas épuisé. Ouais. Savoir relever sa moto parce que vous allez tomber, donc il faut savoir tomber, savoir la relever, savoir jauger votre niveau là où c'est trop dur. Il y a une épreuve qui était assez intéressante, je pense que d'ailleurs c'est un terrain où vous allez aller avec Tom demain. Il y avait un parcours qui était assez long, il fallait faire 10 fois, et moi je mettais plus de 10 minutes à le faire. Donc déjà, vous vous rendez compte, ça fait plus d'une heure à faire une boucle à fond, quoi. Ouais. Et dans cette épreuve, il y avait trois possibilités de parcours. En fait, c'était trois montées. Donc, soit vous prenez la montée facile et là, vous faites ensuite votre boucle, soit vous faites la montée moyenne, soit vous faites la montée dure. Et évidemment, il y a plus de points quand on fait la montée dure. Et moi, je me suis lancé dans la montée dure directe, qui est montée du premier coup, mais j'ai vu que c'était chaud. La deuxième fois, un peu fatigué, j'ai mis un pied dedans, je suis tombé, je suis reparti, je l'ai monté, j'ai dit ouais, c'est encore plus dur. La troisième fois, je tombe deux fois dedans. Je fais tout le tour de la boucle vraiment rincé. Je me dis, oh là, il en reste 7. Je ne vais jamais y arriver. Quoi. Puis une fois que tu as choisi une montée, c'est toujours la même. Du coup, là, je me suis arrêté et j'ai demandé aux arbitres, c'est quoi la différence de points entre la dure et la moyenne? Et en fait, la différence de points, je crois que c'était de 20 points. Et on finissait le GS Trophy sur 18 000 points. D'accord. Donc en fait, il n'y avait aucun intérêt à se flinguer, à aller essayer de tout mettre sur cette montée impossible. Et qui était pas impossible, mais 10 fois c'est dur, quoi. Et du coup, j'ai eu l'intelligence à ce moment-là de me dire, bon, la lucidité, de dire ouais, je prends la moyenne, et j'ai gagné vachement de temps comme ça. J'ai peut-être aussi sauvé une chute encore ou un truc. Donc faut connaître son niveau, quoi. Et le moral, quoi. Après, ça joue beaucoup. Il va y avoir pas mal de nouveautés cette année parce que comme c'est organisé non plus à l'Astour mais
à Barcelonnette, sur un terrain, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Barcelonnette, il y avait Ducati Center qui faisait essais assez petits, mais je pense que ça sera un peu similaire. Ils ne vont pas réinventer la poudre, il va y avoir un grand terrain et ils vont faire des ateliers techniques, quoi. Donc ça, si vous bossez la lenteur, les slaloms, peut-être l'atelier de base, là où il y a le tonneau, où on tourne avec une barre, ça vous avez déjà fait ça ? Non, mais je viens de voir la vidéo. Là. Bah ça, typiquement, moi je ne l'avais jamais fait, t'es sûr de rater. C'est quoi, t'as une main ? Donc tu joues qu'avec l'embrayage et puis avec ta main droite. Tu le fais trois fois, t'as compris, tu le sais faire. Mais si tu l'as jamais fait, t'es quasiment sûr de ne pas y arriver, quoi. Et Tam, il fait même l'inverse. Il échange les mains. Il fait embrayage. Il y a deux sens pour le faire. Si tu le fais avec l'embrayage, c'est plutôt facile. Si tu fais sans l'embrayage qu'au gaz, c'est un enfer parce que tu peux pas gérer le rythme de ta moto. Et là, t'es obligé de freiner un peu. Mais là, ça devient trop dur. Et ils font pas des épreuves trop dures. Parce qu'ils ont fait, non, il va y avoir un mec qui va y arriver. Ouais. C'est assez dur pour les organisateurs de savoir où mettre la barre. Parce que si c'est trop dur, bah en fait, il n'y a pas grand monde qui va y arriver. Mais il faut que ça soit quand même suffisamment dur pour que tout le monde, qui est aussi une manière de se départager. Il y a l'année où j'avais fait les qualifs, il y avait plusieurs participants qui avaient réussi à faire toutes les épreuves. Et du coup, ils ont été départagés sur des épreuves un peu à la con, comme définir si c'est un Jéroboam ou des épreuves où tu as les yeux bandés, tu dois savoir ce que c'est comme moto. Un petit peu random, où il y en avait une, c'est quoi la hauteur de l'éolienne. Attends, bon. Aide-moi, parce que si je tombe sur le Jéroboam, je suis mort, c'est quoi un Jéroboam? Comme si la Stour, ils font du vin, ils essayent de faire des ateliers où ils mettent en avant aussi les partenaires locaux. D'accord. Du coup, ils avaient fait un petit atelier vin. Bon, alors, c'était pas de la dégustation. Okay. Donc, ils ont détourné le truc pour dire, donner les différentes bouteilles de vin, quoi. Donc, ça peut être des épreuves aussi qui vont arriver, des trucs complètement insolites. Truc de piccolo, quoi. Pas forcément un tel, mais ça peut être un atelier Michelin, ça peut être un atelier Garmin, pas Garmin parce que GPS Navigator, tu vois, ou les équipes les fringues, ils sont malins, ils vont mettre en avant les partenaires, quoi. Sur le GS Trophy, tu vois, il y a pas mal de partenaires, là il y avait Metzeler, Emirates, et il y avait des épreuves pendant le GS Trophy international pour mettre en valeur ces partenaires, quoi. D'accord. Alors c'est plus ou moins bien fait, hein. Il y en a une, c'était pour les lead break, là c'est pour protéger le cou, fallait lancer des gants dedans. Donc bon. Mais derrière, ça veut dire qu'ils cherchent des épreuves qui peuvent être à rien à voir avec la moto. Bon, je sais pas si je parle beaucoup. Si vous êtes bon en molky ou ce genre de trucs, ça peut vous aider. Non, si vous avez il y a pas longtemps, un coup de poignet incroyable. Bon, on a une question. Alors, les 750 GS du GS Trophy, sur le GS Trophy en off-road, oui, tout est. Surtout pour une fille, franchement, faut y aller. En plus, les filles, je crois qu'on vous prête la moto sur le stage et sur les épreuves qualificatives de Barcelonnette. Ok. C'est pas les 850 ? C'est les 850, mais je crois qu'Amélie a une 750. D'accord, c'est un peu moins bien, mais ça y va aussi. Hein. Faut pas trop se poser la question. Hein. C'est moins bien la 850 que la 750. Non, mais la 50 est un peu moins bien. Elle est moins typée off-road que la 850. Elle est peut-être aussi plus basse et une jambe peut-être qu'Amélie se sent mieux dessus. Okay. Au lieu de 21. Moi j'ai une jambe de 19 sur ma GSA. Ouais, mais c'est une Ok. Alors comment s'est formée l'équipe ? Un petit peu sur le tas, mais sur le avec tas, toi d'abord comme initiative. Eh ben en fait, Paul, l'année dernière, on s'est appelé quand tu revenais de Los Angeles, je crois. C'était plein Covid, on était en mode développement de projet, on s'était eu au téléphone et en fait, il se trouvait qu'on s'est rendu compte qu'on était plus ou moins dans le même coin. Du coup, on est parti rouler, tu m'as fait rencontrer ton poteau Alex, on a roulé ensemble, on s'est même fait des roulages sous la neige aussi. Exact. C'était très sympa. En Ile-de-France ? En Ile-de-France, oui. Et on a eu la chance d'avoir un peu de neige. Ça va pas durer longtemps, Dans les Yvelines, vers Porcheville. Un coin très sympa à rouler. Bien grave. Ça, c'est clair. On n'est pas encore allé à Meaux. J'ai un autre copain qui roule très fort là-bas, en T7. On s'est connus comme ça et du coup, on bossait tous avec SW Motec. On s'est tous dit, on a tous des GS. Ils avaient tous envie de faire GS Trophy. Plus ou moins. En fait, on avait surtout envie d'apprendre. Moi, selon moi, c'était un peu ma vision du truc. J'avais envie d'approfondir un peu la technique et d'aller dans le côté maîtrise, contrôle, entre guillemets, total de la moto. Tu vois, en tout terrain. Et à force de faire toutes nos petites sorties à droite, à gauche, on s'est dit, attends, il y a le GS Trophy, est-ce que ça ne serait pas l'occasion d'aller s'entraîner et en fait se donner, on va dire, non pas une deadline, mais tu sais, un objectif pour aller bosser tout ça. Et c'est là où on s'est dit, Moi, c'est le seul événement un peu sportif que j'ai trouvé avec les trail, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais. J'aime bien le côté compétition, quoi. Et là, ça match parfaitement, sans être trop extrême, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'en fait, c'est une grande différence, c'est ce qu'on disait tout à l'heure,
Il y a une grande différence entre un événement qui va être dans les traces pensé pour les trails et pensé pour les enduros. Un truc pensé pour les enduros va être pas forcément même intéressant en termes d'effort pour des gros trails. Du coup, c'est vraiment sympa d'avoir des épreuves qui sont... Ça va même être l'enfer. Tu mets un maxi trail dans un truc enduro, ça peut être compliqué. Ah ouais, un gros niveau. Puis à un moment donné, la moto a ses limites aussi. C'est ça. Mais après Tom... Tom adore ça, mais... Tom adore ça et t'es nous dis pas, nous dis pas, nous spoil pas. Les seules limites, c'est ici et puis... Ouais, c'est clair. Mais pour la plupart, quand même, faire tomber sa moto est un sacrilège, surtout quand on vient de la route. Et oui, et ça aussi. Quand on commence à aller dans ce genre d'événement, ça devient... C'est même plus une question, quoi. Ça arrive tous les jours, quoi. Mais c'est là où c'est important d'être bien protégé. Parce que si tu l'es pas, c'est l'enfer. Ça sert à rien. Et puis, au-delà d'abîmer les pièces... Bah, tu vas surtout casser une pièce comme un levier, bah, derrière tu ne peux plus rouler. Donc c'est bien beau de tomber, d'abîmer, de rayer les pièces, mais il faut aussi pouvoir continuer. Le GS Trophy, c'est ça aussi. Il faut que vous connaissiez bien votre moto, faut que vous connaissiez vos pneus. Ce n'est pas le moment de changer de pneus, il faut que vous soyez à l'aise avec ça. Connaître ses pressions, ce n'est pas le genre de questions qu'il faut se poser le jour J. Quoi. Après, s'il y a quelque chose d'un peu. Là, le format de Barcelonnette. Je ne sais pas s'il y aura des épreuves extérieures qui vont vous amener à rouler comme il y avait sur les autres années. Mais si c'est le cas, il faut que vous ayez des leviers en plus ou n'importe quoi qui pourrait être utile pour votre moto. Quoi. Bien sûr. Surtout sur une R80. Bah là, je pense que tu as intérêt à avoir... Je ne te cache pas que pour notre petit trip, j'ai pris un petit sélecteur de secours au cas où. Quoi, tu vois, si je casse un sélecteur... Pourquoi pas. En tout cas, c'est à toi de savoir à quoi prendre. Quoi. Ouais. Et avant. Les outils pour resserrer. Bon, après, le risque dans le scotch, je pense que... Ça, on commence à connaître les outils pour réparer nos motos sur le tas. Non, qu'est-ce pourrait y avoir des petits champignons pour Il y a la régie qui nous rappelle le point Covid. Donc, on a tous été testés avant de le faire. Pour le Covid de Barcelonnette, c'est un peu tôt pour en parler parce qu'on n'en sait rien. Comment ça sera les règles là-bas. Pour s'inscrire au GS Trophy, il faut aller voir son concessionnaire BMW. C'est eux qui auront les infos en premier et qui pourront vous inscrire et vous donner le tarif. Je pense pas qu'il sera très élevé, mais en tout cas, je connais pas le tarif, donc allez voir votre concessionnaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question S'entraîner physiquement. Pour la première, ouais, moi, c'est ce que je voulais dire, c'est que pour moi, le GS Trophy, c'était une bonne occasion de s'entraîner à faire juste du trail dans la forêt, qui en fait, tu te rends pas forcément compte de ça directement, mais quand tu pars en week-end comme ça, c'est quand même hyper sportif, hyper cardio, et tu vas pour le voyage, mais tu t'entraînes pas pour ça, alors que GS Trophy, c'est une bonne occasion de se mettre à bosser physiquement, ça, c'est vrai, ça. À s'entraîner aussi bien sa muscu que son cardio pour... Faire un road trip, ça suffit pas à progresser. Ouais. Moi, je suis fan des Cocorico Rando et j'ai commencé par là. Quand on arrive d'un point A à un point B, alors déjà, il faut arriver du point A au point B, hein, parce que si les conditions sont changeantes, il y a la piste extrême, il peut y avoir plein d'aventures. Mais c'est une première base, mais une fois que vous maîtrisez un petit peu cette base et que vous en voulez un peu plus... Parce que Cocorico Rando, je me souviens, il y a des gays ou des montées un peu chaudes, bah, on a envie de temps en temps à prendre le pont. Je me dis, ah ouais, mais mon but, c'est quand même d'arriver le soir. Quoi. C'est pas de faire les kékés, à tenter une. Il y a une branche, je vais peut-être prendre le contournement, je vais pas me suicider sur la branche. Quoi. Alors que là, justement, on veut demander l'opposé. Quoi. Clem, il connaît. Ouais, le but, c'est pas d'arriver au bout, c'est de progresser. Donc, si vous allez vous mettre dans un moment, il faut peut-être retirer les bagages, retirer les doublures. Et attaquer des trucs que vous ne savez pas faire. Quoi. Et c'est là où l'entraînement physique il est important, parce que mine de rien, quand tu manies un truc entre 250 et 300 kilos avec tous les équipements, bah, si tu n'as pas, le physique pour... parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, quand tu vas en tout terrain, tu es obligé de tomber. Pour moi, ça fait partie du truc. Elle tombe, ok, mais c'est pas grave. La fréquence peut varier, mais... Ben voilà, voilà. Et justement, la fréquence à laquelle tu tombes, nous, je pense qu'on est pas mal. C'est-à-dire que la fréquence, elle est relativement élevée. Et à la fin de ton week-end, même si t'es parti que 2 jours ou 3 jours, t'es juste mort parce que relever. Et je pense que d'avoir une condition physique relativement pas mal, enfin, je sais pas comment on peut dire, ouais, ça aide beaucoup. Mais on n'a pas besoin d'être un Golgoth non plus comme Paul. Non, pour y arriver. On n'est pas obligé de tomber déjà. après, il y a aussi ça, c'est que forcément, on ne va pas rencontrer en voyage des situations dans lesquelles, les situations qu'on va chercher dans ce week-end, ça va pas être des trucs forcément que tu vas ou alors des trucs que tu peux éviter. Ouais. Mais je trouve que c'est super cool d'avoir ce confort d'esprit, de se dire n'importe quelle situation,
je m'en sors et je sais bricoler ma moto, adapter mes pressions par exemple pour me sortir de n'importe quel truc. Dans la boue, si c'est gras, pouvoir se dire ok, c'est pas grave, je descends à 0,4-0,5, c'est une pression qui est correcte. Parce qu'effectivement, quand tu viens de la route, quand tu es même en dessous de 2, tu dis parce que tu l'as pas fait depuis 6 mois, parce que ta moto c'est un truc utilitaire, tu dis oh là, 2, je sais pas si ça passe. Alors qu'en fait, tu peux descendre très très bas quoi. Mais, c'est vrai. Mais donc, ça dépend de l'utilisation. C'est ce genre de connaissances qui amène du confort dans la vie de tous les jours en se disant ma moto, je la connais, c'est pas un objet sacré qu'il n'y a que le garagiste qui peut toucher, c'est un truc que je peux bidouiller moi, ça marche très bien. Et t'en es fier après de savoir ce genre de choses. Exactement. Et je pense que c'est un truc que n'importe quel motard qui a envie de faire du voyage devrait essayer d'aborder d'une manière ou d'une autre parce que ça permet justement d'être vraiment serein sur son. Ben, c'est ce que je disais, l'intérêt pour moi d'aller faire le GS Trophy, je te dis, c'était d'apprendre à bien maîtriser ma moto dans toutes les conditions. Et pour moi, le tout-terrain permet d'aller. Tu vois, typiquement dans Paris, tu te mets debout sur les cale-pieds, les appuis, et puis tu zigzagues un peu comme tu veux. Quoi, tu vois. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu apprends bien à maîtriser ta moto et à gérer son équilibre. Quoi, et c'est ça que je trouve super chouette avec le tout-terrain. Ah, quand tu feras ton demi-tour en glisse dans Paris, ça va être classe. Et après, tu auras la lumière bleue qui la lumière bleue va arriver vite. Il y a une question d'Emeric. Donc, heureusement qu'Emeric, il est en KTM parce que je l'ai vu rouler. Il serait en GS. Je pense qu'il y aurait peut-être une place en moins de dispo. Emeric, tu devrais changer de moto. Bah non, du coup. Donc, il demande est-ce qu'il faut mieux préparer le pilote ou la moto. La photo, c'était tout à l'heure, c'est ça? Je pense que. C'est là l'instant. Ouais, on va peut-être y revenir tout à l'heure. Donc, le pilote ou la moto, les deux. Je pense qu'un bon pilote, il pourrait avoir une moto stock avec des pneus stock. Il arriverait, s'il est prof, il a technique, on met un Jean-Pierre Goy, un Tom Barrer avec une 90 à préparer, Scrambler, il va y arriver. Quoi. Et on met quelqu'un de débutant sur une moto faite pour ça, il ne va pas y arriver. Donc, il y a un mixte. Par contre, ça peut aider le pilote moyen d'avoir les outils comme quoi sa moto l'aide un peu plus. Ouais. Donc, d'abord, je dirais le pilote dans son pilotage. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Et puis après, amener des petits détails sur la moto. Quoi. Ah bah ça, c'est clair. C'est sûr. Parce que quand tu es un bon pilote, effectivement, comme dit Paul, tu ne tombes pas. Donc, à ce moment-là, tu n'as pas besoin de le protéger, tu t'en fous. Ouais, après, ça, c'était plus pour la blague parce que Tom, c'est le premier à se la mettre et je pense qu'il y a beaucoup à nous apprendre. Je ne sais pas, tu avais l'air sain. Non, c'était vraiment pour la blague. Mais et puis, en fait, dans tous les cas, de base, c'est comment dire, y a pas mal de sports dans lesquels tu n'as pas vraiment le droit à l'erreur, tu sais ce que je veux dire. Et là, dans le trail, c'est pas que tu as le droit à l'erreur vraiment, mais c'est que tu peux aller essayer des trucs au-delà de ton niveau. Tant que tu maîtrises un peu certains basiques de chute, tu vas éviter de te faire trop mal. Alors qu'il y a plein de disciplines dans lesquelles il faut essayer de ne pas trop franchir de trop loin ses limites. Quoi. Notamment ton parcours. Voilà, le parcours, typiquement, il faut toujours garder une adéquation entre physique et mental pour que ça matche, parce que tu peux vraiment te blesser. Là, on se dirait, putain, on roule sur de la terre, sur des surfaces, machin, sur des descentes, des montées. Et du coup, quand tu descends une falaise, t'es sur les limites, là, ou pas? Tant que c'est encordé, donc ça reste super dans ce que tu peux faire. Quoi. Mais on va moins vite aussi en fraude, et la chute n'a rien à voir avec la route. C'est pas, quand il y a une chute, on est plutôt là à rigoler, à prendre une photo, qu'à faire la panique et à mettre les gens en PLS. Ça arrive, c'est quand même beaucoup plus rare. Donc, c'est ça aussi qui fait que c'est plutôt cool. C'est ça, c'est que la grande majeure partie des chutes ont effectivement lieu à basse vitesse parce que c'est là où il y a moins d'équipe de la moto, donc on est plus sujet à se faire envoyer par une petite pierre ou à mordre une zone d'herbe comme Tom la dernière fois. Parce que Tom, il se prend un taquet de ouf, il s'éjecte, tu fais « Oh, j'ai pris une pierre de fou !» J'ai vu la vidéo après coup et c'était juste pris un petit brin d'herbe. Ah, mais ça, c'est l'esprit motard aussi, on aura fait des caisses. Hein. Donc, c'est parti du monde. Non, et donc, voilà, c'est jamais des chutes. Je pense qu'effectivement, on a de la chance d'avoir Tom comme coach. Quentin, est-ce que tu peux nous mettre l'image donc, des motos qui viennent d'arriver? Donc là, vous venez quand même, vous avez l'air un peu fatigué. Hein. Ouais, un petit peu. Ça va. Donc, ils arrivent de nuit depuis Paris, dans nos bureaux. Donc là, ici, on est à Bordeaux. Donc il y a une T7, hein, donc ça c'est la T7 de Clément qui va faire les photos hein, parce que GS Trophy oblige, les T7 sont pas forcément les bienvenus. Ah. C'est une bonne moto pour apprendre et c'est pas parce que vous avez pas une BMW que vous pouvez pas regarder et rêver du GS Trophy parce que rien ne vous empêche de plus tard
changer de moto peut-être juste pour le GS Trophy ou de viser un gagné. Mais, on n'est pas, c'est pas parce qu'on a une KTM un jour qu'on n'aura jamais une BM et inversement. Et inversement, oui, bien sûr. Mais même les exos intéressants du GS Trophy, ils sont tout aussi applicables. Carrément. Et ils aideront n'importe quel pilote. Après, la GS, ça brade bien. Est-ce qu'il y a d'autres marques qui vont faire des trucs similaires avec d'autres motos? Il y en a qui ont essayé, mais il y a tellement de budget et d'histoire qu'il faut créer que je ne sais même pas comment ils arrivent à maintenir un événement aussi. Quand on voit l'argent et l'organisation. D'où peut-être l'Albanie. Ouais, c'est délirant, quoi. Et il faut derrière en vendre des motos. Donc, heureusement qu'il y a BM qui a l'air insolide. Et, mais on voit que tous les dirigeants faisaient partie de... Peut-être Quentin aussi peut sortir la photo du podium. On voit avec, dans le podium, il y a le directeur général de BMW Moto Monde qui est là en train de rouler avec nous et boire des bières avec nous, quoi. Donc, ces mecs-là, s'ils sont... incentivé sur le GS Trophy, ça les fait rêver, bah c'est tout gagné. Ils sont voilà le grand gaillard là, c'est normalement quelqu'un de costard cravate. Je pense pas que ça soit n'importe qui dans le monde de la moto. Et pourtant il est là et il est sur la moto, il fait le même parcours que tout le monde et on voit que ça le fait rêver, quoi. Donc si eux ils sont motivés, derrière ça déroule, quoi. Et je suis pas sûr que toutes les marques ils aient ce genre de direction, quoi. Je sais que KTM font des trucs, mais ça va vraiment être. C'est pas accessible en France, quoi. C'est plus Nouvelle-Zélande, Australie qu'il y a des trucs ouais, qui se passent. Ouais, j'ai vu passer 2-3 trucs KTM, mais ça, c'est ridicule par rapport à l'aura d'un GS Trophy. Hein. D'ailleurs, on n'en entend pas beaucoup parler. Quoi. Déjà, GS Trophy n'est pas si connu que ça. Ouais. Ce qui fait qu'il y a une belle opportunité d'y aller. Et de le faire connaître, d'ailleurs. Et de le faire connaître, évidemment. Mais, c'est le but, d'ailleurs. Ouais. Voilà, encore des images là, de l'organisation. On voit tout le staff, les voitures. Bah, le fait qu'il y ait des voitures, je pense aussi, ça. Ça fait que la marque, quand même, elle a du budget, hein, BMW, c'est pas n'importe quoi. Et ils se donnent les moyens, quoi. Et en gros, tu as un budget à prévoir pour le GS Trophy? Alors, Yann Lacante, qu'on salue, qui nous demande s'il faut un budget pour le GS Trophy. Alors, pour se qualifier, moi, j'avais payé mon inscription dans les 300-400 euros pour le week-end. Je crois que ça sera sûrement moins cher, vu que moi, ça comprenait un week-end complet pour les qualifs. ça n'a pas de rapport avec. Et on gagne. Non, c'est personnel. C'est juste pour se qualifier, quoi. du coup, ça peut. Enfin, moi, j'aime la compétition, donc même sans gagner, je remettrais le challenge. Je remettrais direct le billet juste pour reparticiper, même si j'ai rien à gagner, parce que faire la course avec d'autres en GS, c'est génial, quoi. Peu importe la météo. C'est... Et du coup, si toi tu gagnes, si t'es premier, c'est-à-dire que le deuxième. Enfin, c'est-à-dire que le premier, en fait, deuxième, c'est ça? C'est-à-dire automatiquement, toi, t'étages. Dans les années précédentes, ils ont utilisé les anciens gagnants comme Marshall, ou un petit peu pour les aider dans le staff. Ou, donc, il y aura peut-être des opportunités d'aller faire un petit coup de moto, mais on ne sera plus jamais candidat. Quoi. Ouais. Ou on sera éliminé d'entrée des classements. Quoi. Okay. C'est normal, on doit laisser la place. Oui, c'est le jeu. Et il y a tellement à gagner qu'il y a aussi plein de... Tout le monde lit un peu le règlement, il peut y avoir plein de commentaires en disant « Tiens, lui, il a fait ça, c'est un peu flou ». Et ce n'est pas forcément facile pour BMW d'essayer de trouver où la limite. Par exemple, cette fameuse limite de licence, qu'est-ce qui est un professionnel de la moto, qu'est-ce qui ne l'est pas. Par exemple, les concessionnaires BMW ne peuvent pas gagner. Mais bon, moi, je travaille dans les accessoires moto. Mais je ne suis pas concessionnaire BMW, donc est-ce que je suis plus éligible qu'un ou pas qu'un autre? Qu'est-ce qui est un Jean-Pierre Gouin, il n'a pas de licence. Est-ce qu'il a le droit de faire le GS Trophy, du coup? Mais peut-être qu'il a un niveau qui est différent de celui qui a fait de la piste une journée. Il y a des injustices dans le règlement, mais il fallait bien qu'il tranche. Oui, bien sûr. Et il le change aussi tout régulièrement pour essayer peut-être de l'adapter. Donc, c'est aussi ça le GS Trophy, de lire le règlement, essayer de savoir quelle moto prendre. Si tu en as plusieurs, essaye de voir s'il n'y a personne dans la catégorie rétro et qu'il faut la 90, prends la 90, quoi. Même si elle est moins adaptée. Enfin, je ne sais pas. Mais... Essaye de trouver... de comprendre. Tu sentis Alex, oula. Je suis pas malin, tu vois. J'ai acheté la R80 juste pour faire le. Non, mais dans si tu vois que la R80 t'emmène dans une catégorie classique qui te dessert. Peut-être pas. L'année où j'ai fait le GS Trophy, il y avait quelqu'un en R80 et qui avait roulé incroyablement avec sa moto et ils l'ont mis dans la catégorie. Non, il avait une R100. Ils l'ont mis dans la catégorie de la mienne, des 650 X Challenge. Il n'était pas ridicule, mais il n'a pas été qualifié. Alors qu'avec les mêmes nombres de points, s'il était dans la catégorie 1200, il passait. Ok. Ah ouais, alors que c'était non 100, c'est ça que... Et alors que c'était non 100. Ouais, putain. Donc un peu les boules, quoi. Un peu limite, hein. Un peu limite. Et mais voilà, il y a plein de trucs comme ça. Ouais. Après, gardez en tête que c'est tous les deux ans. Donc si ça passe pas une fois, mais que c'est pas passé loin, dites-vous que la fois d'après, ça va y aller. Quoi. Les 50 prochaines années. Ah, donc.
La moyenne d'âge, elle est âgée. Il ne faut pas grand-chose à part bosser. Donc, regardez les vidéos à l'international. Tapez GS Trophy 2020, 2021, toutes les années d'avant, tous les autres pays. Il ne faut pas grand-chose. Il faut quand même une GS, du temps pour s'entraîner, des pièces de rechange parce que tu vas les péter en s'entraînant. Mais derrière, tu vas progresser. Ah, je suis d'accord, mais ça demande un peu d'engagement, quoi. Plus d'engagement que d'argent et de talent, je pense. Mais regarde, en fait, là, comment dire, quelqu'un va pas forcément, mon senti, c'est que quelqu'un va pas forcément acheter une GS dans le but de faire la GS Trophy. Ah, il y en a qui le font. Oui, bien sûr. Mais c'est une grande majorité de mecs qui ont acheté une GS parce que c'est la moto qui leur plaît, qui machin, qui disent ah, il y a ce rallye là, qu'est-ce que je peux faire. Moi, je pense que ça se conceptualise plus comme ça. Donc en fait, bon, même si effectivement tu peux dire le GS Trophy, je veux partir en Albanie absolument. Moi j'ai acheté ma X Challenge. Pour le GS. Quand j'ai fait la première fois le GS Trophy, j'étais en 800 GS. Mais t'aurais peut-être pas acheté une 1250, c'est ça qu'on dit. Tu vois. Ouais, parce que c'était un bon budget et ça me faisait moins rêver. Ouais. Aujourd'hui, peut-être que t'en as qui achètent des 1250 comme ils achètent des baguettes de pain. Bon. Quoi. Mais bon. Et je trouvais la X Challenge, justement par rapport au règlement, super adaptée. Et bah oui, c'est un bon coup. Du coup, j'avais anticipé ça. Quand je me suis dit, bon, c'est ça qu'il me faut, ça va m'aider. Quoi. Et ça ne m'avait pas demandé, ma X Challenge, j'avais payé 3500, c'est pas le même engagement non plus. Quoi. Mmh. C'est clair. Et puis, tu es peut-être moins précautionneux dans le... Voilà, et tu peux te permettre dans ton entraînement de tenter un truc. Tu vois. Mmh. Quand tu as tes 25 000 et qu'il faut la lancer, tu réfléchis un peu plus. Surtout quand c'est ton véhicule du quotidien. C'est ça. Ouais. C'est ça. Après, ça se lance bien. ça vole bien l'expérience. Mais bon, après, faut... Il y a des belles vidéos de tonneaux. Tu nous montres demain. Ah ouais, ouais. Ouais. On a encore quelques questions. Alors, lequel il va pour gagner? Tous. Oui. Et la modestie. Non, mais oui, mais surtout, c'est effectivement pour ce côté compétition. Tu vois, ce côté aller titiller l'autre et aller pousser les limites de la GS et mes limites, moi, en tant que pilote, c'est surtout ça, quoi. Toi? Moi, j'étais persuadé que c'était les qualifiers étaient en équipe. Et donc, quand j'ai proposé à Alexis de le faire en équipe, pour moi, c'était on devait tous gagner ensemble, tous les quatre. Chacun pour sa peau. Ouais. Sinon, rien. Quoi. Donc non, il faut, pour moi, c'est tous les trois. Quoi. Par contre, si vous voulez aller tous les trois, il faut gagner tous les trois. Quoi. Ouais. Ouais. Écoute, non, moi, j'adore l'Albanie. Oh, c'est mon pays et du coup, j'ai très envie d'y aller. Quoi. C'est un des seuls rallyes adapté à la 1250, on va dire ça comme ça, enfin, au GS en général. Et puis c'est cool de rouler, ça a l'air bon esprit, et c'est cool de se challenger. C'est vrai qu'il n'y a pas. Après, il n'y a pas beaucoup. Souvent, moi, le pourquoi dans ce que je fais, c'est une question que j'ai lue d'un pote. En tout cas, moi, globalement, au-delà de la victoire, participer, c'est un de mes week-ends préférés. Quoi. Ouais, les événements off-road de l'année que je signe d'entrée. Quoi. C'est. Ce côté compétition avec un trail, voilà, c'est le seul truc où... J'ai hâte. Bah surtout qu'il n'y en a pas beaucoup qui font ça, tu vois, qui prennent leur trail pour aller les mettre en tout et un. De plus en plus, quand même. Ouais. Et tu revois les mêmes têtes. Hein. Ouais. Tu vois les visages des mecs qui ne sont pas là pour... et année après année, c'est toujours un peu les mêmes qui vont en finale et qui voient la portée de main le voyage. Ouais. Je pense à Nico qui est parti avec moi. Il s'est fait des préparations. J'ai jamais vu quelqu'un qui a autant bossé, quoi. Lui, il s'est fait un planning de sport pour se dire il faut que je sois au top. Mais tellement préparé que c'est ça qui le freinait dans la finale parce qu'il perdait ses moyens. Quoi. Ouais, il s'est mis trop de pression. Trop de pression. Tu vois, Nico, qu'on salue aussi. Et oui, on a entendu. Et voilà, ce sourire qui veut en dire long. Quoi. Ouais, tu viens rêve. Hein. Tu vois, il y a ton nom écrit sur la moto, sur tes affaires, sur ton casque et tout ça, c'est cadeau. Donc ça met quand même vachement en valeur. On a l'impression d'être un pilote pro du jour au lendemain, alors qu'on n'a pas fait grand-chose. Donc c'est génial. Quoi. Encore une question sur le Cocorico Rando. Oui, c'est un bon premier galop si vous voulez commencer par là déjà. Si, avant de faire un GS Trophy, faites des Cocorico Rando, c'est une super expérience. Ce n'est pas une course, le Cocorico Rando, c'est d'abord un voyage, mais bon, finir la piste extrême sans feindre quoi que ce soit. Peu importe la météo, ça peut déjà être une belle aventure. Et c'est marrant parce que là, on voit deux expériences qui se dégagent un peu dans les commentaires. On a Antoine qui nous dit 6 mois d'entraînement, plus de 150 chutes, 0 casse. Et on a juste en dessous Rémi qui nous dit 2 sorties sous terrain. 2 sorties tout terrain.
Une noyade et un trou dans le tête fourche. Donc c'est vrai que sur ça, il n'y a pas vraiment de règle. La chute, ça peut être la dernière, comme la première d'une longue série. Mais on l'a souvent en tant qu'accessoiriste, des clients qui peuvent être déçus après une chute en disant « Je ne comprends pas, je suis tombé. Pourtant, j'avais acheté tous les crash bars et j'ai quand même réussi à abîmer quelque chose sur ma moto. » Donc on essaye aussi de leur expliquer que chaque chute est différente et évidemment, la protéger va limiter la casse, mais ce n'est pas une protection absolue. Quoi. Oui. Comme c'est pas, y en a qui gardent leur valise ou leur sacoche alors qu'elles sont vides en se disant que ça va protéger. Oui, ça peut protéger, mais ça peut aussi vous faire tomber en gardant du poids. Donc, oui, bien sûr. Et puis vous pouvez aussi les abîmer. Quoi. Donc, c'est le off-road, malheureusement, casse pas mal de choses. C'est un sport mécanique. Ben, moi, pour le coup, tu vois, je fais partie de ceux qui n'ont rien cassé. Tu me parlais pas de suspension pourtant. C'est pas de l'accessoire, ça. De frein. J'avoue, les suspensions qui sont peut-être un peu. Suspensions, elles ont l'air un peu tassées. Ouais, un petit peu, peut-être. Bon. Je sais pas en vrai. En vrai, je sais pas. Moi, qu'est-ce que j'ai cassé? Pour le coup, j'ai tordu des petits trucs. Ah oui, non, mais c'est d'accord. J'ai pas cassé. Ouais, moi, j'ai pété plein de trucs. Voilà. Alors que pourtant, vous on se fait toujours les mêmes chutes ensemble, et à chaque fois, moi je retrouve avec. Je rentre avec un phare pété, des clignots pétés, des crash bars pétés, un sabot pété, une lèvre pétée. Et lui, à chaque fois, j'aimais rien. Donc, il peut y avoir de tout. Quoi. Ouais, je voulais aussi vous parler un peu d'esprit d'équipe. Il y a une camaraderie qui se crée, qui est incroyable. Moi, je me suis fait vraiment des super amis. Donc là, on voit Nico et Vincent qui étaient mes coéquipiers. Donc, ouais, j'ai une petite ceinture de force parce que je me suis fait mal au dos aux préparations avec Tom. Donc méfiez-vous des stages de Tom hein, parce que je me suis bloqué le dos direct. Et ça m'a un peu limité d'ailleurs sur le GS Trophy. Mais au-delà de mes partenaires de mon équipe, les autres équipes aussi, c'est trop bien. Quoi. Tous les jours, on roule avec une équipe d'un autre pays. Okay. Et on a tous des casques Senna. Donc tu parles coréen. Offert aussi. Hein. Okay. Et du coup, on parle avec les autres équipes. Trop marrant. C'est énorme. Quoi. Donc, moi, je me souviens des Sud-Coréens, c'était juste énorme. Déjà, ils roulent super bien et ils sont trop drôles. Quoi. C'est magique quoi. De rouler avec des gens qui ont la même passion que nous, parce qu'ils sont tous fondus de moto comme nous, à l'autre bout du monde. Et le soir, c'est organisé à l'allemande, donc il y a les bières et les saucisses, tout est carré pour manger. Voilà, là par exemple, le Marshall en haut à droite, c'est un Australien qui passait tous les rapports sur une 850 GS en off-road, en wheeling, debout comme ça. Alors qu'on n'a pas le droit de faire des wheeling, mais lui, il mettait tout le monde d'accord derrière, t'en fais pas, tellement il a calmé le truc. Et là, on est avec les Coréens, justement, c'était, je pense, une de mes meilleures journées à rigoler. Alors qu'on était en train de se battre contre les Coréens dans les points, parce qu'ils avaient fait une super début. Et alors qu'on a rigolé ensemble toute la journée, quoi. Il y a une camaraderie qui se crée. On n'a rien à gagner à l'international. Autant au qualif, c'est la guerre parce que là, vous gagnez votre voyage, vous gagnez l'équipement, tout ça, ça vous fait rêver. Mais une fois que vous allez là-bas, c'est juste la gloire qui a gagné. Quoi. On revient à un petit trophée. Quoi. Ah oui, j'allais dire qu'il était joli ce truc que je voyais. C'est le trophée deuxième de l'international. Mais ça fait plus rêver d'avoir gagné les fringues, le casque et le matos que le petit trophée. Quoi. Voilà, on voit l'Allemagne, on a les bières avec les Coréens le soir et tout. Enfin, ça, c'est bonne ambiance. C'est génial. Donc là, comme c'était le thème... Nouvelle-Zélande, on avait pris des petites oreilles, donc chaque pays doit venir justement avec des objets pour créer cet esprit de camaraderie. Donc nous, on avait choisi des oreilles de Hobbit pour le côté Lord of the Rings de la Nouvelle-Zélande, parce qu'on a visité, on a roulé sur des terres où il y avait le tournage de Lord of the Rings qui était juste incroyable. Donc on s'arrête, on voit les collines, on se dit « Ah bah là, ça c'est ici, c'est le Mordor », des trucs comme ça. Et ça, c'est du délire. Il y a eu quoi qui a été tourné en Albanie là? Si, un film avec Jonathan Cohen et qui part en vacances, je crois que c'est première vacances le truc. Et, ça fait mon rêve d'entraîner. Ouais. Voilà, c'est une petite comédie. Ah, et les photos, tout ça, et ça, ça sort tous les jours. C'est Nico hein, sur la photo, qui est aujourd'hui une photo publicitaire pour Senna qu'ils ont utilisée dans leur commerce, dans toutes les magazines. Il y a Nicolas qui est en photo pour Senna parce qu'on voit bien le scalage. Ah, franchement, vous venez au Portugal, je vous emmène même endroit, plus jeune. Ouais. Écoute. Non, je regarde. Non, mais ouais, c'est vraiment chouette. Et Nathalie qui me parle du Col en Trail aussi. Déjà, Col en Trail, on a eu l'honneur d'être. Donc, c'est un événement qui s'est passé il y a 2 semaines où les coachs, qui étaient les chefs d'équipe du Col en Trail, donc un Col en tas pour les trails, ils ont choisi de prendre les finalistes du GS Trophy l'année dernière, donc, dont j'en faisais partie. Donc, déjà, c'est même un an après, on est encore appelé et sollicité pour ce qu'on a fait. Quoi. Mmh.
Et ça, c'est quand même super honorifique. Quoi. Donc, on remercie Yann, l'organisateur, d'avoir pensé à ça. Et évidemment, bah, on s'est régalé. Et en plus, on a gagné avec l'équipe rouge, donc, et Nathalie donc, notamment. Et c'est un bon entraînement aussi pour le GS Trophy. Il y a un événement aussi qui est le Marche Moto Madness organisé par Cocorico Rando qui n'a pas eu lieu parce que c'est en mars, c'est et c'était en plein Covid. Mmh. Ça, c'était mon week-end de prédilection pour m'entraîner parce que c'est plus une rando, c'est un terrain fermé. Il y a 200 trails qui arrivent et on fait les cons sur les ateliers et du coup, on se donne des conseils entre nous. Ça, c'est vachement formateur aussi. Quoi. Encore une fois, le but, quand ce n'est pas d'arriver quelque part, on peut se permettre de faire le con quand la remorque et les outils sont pas loin. Quoi. C'est vrai. Demain, vous aurez la remorque pas loin, donc vous pouvez y aller. Moi, je me suis préparé un peu ce week-end, mais comme j'avais laissé la GS dans le sud et que j'avais 15 GSXR à Paris, j'ai pris un Vélib, du coup. Et on a fait un live où on faisait du stunt à Vélib dans Paris. Et bien, c'est vachement compliqué de faire juste descendre des marches à Vélib à bon rythme. Vous qui êtes un peu parisien, il faudrait que vous essayiez. Parce que je voyais un de nos fidèles des lives qui commentait qu'on avait failli casser un Vélib. Et c'est, en fait, c'est hyper résistant. Et je me demande même si sur une descente, tu vois, le Vélib serait pas même encore plus une fois, résistant. Le pilote que, pourrait. Plus résistant et plus résistant que la GS, tu vois. Un Vélib. Ouais, t'es fou. Le battle. Alors, si vous êtes motivé pour vous inscrire, laissez en commentaire. Dites-nous qui va s'inscrire, qui est déjà au taquet. Je sais qu'on salue aussi, donc là, ça va être notre équipe un peu phare SWMotec, mais on sait qu'il y a aussi la Nico Team qu'on va suivre de très près, et rien ne vous empêche aussi de vous entraîner avec d'autres équipes. Oui, carrément, on est pas sectaire. Je sais aussi qu'il y a d'autres équipes qui s'organisent avec GSFR, donc suivez les groupes, regardez les pages internet, tout ça, ça, c'est un esprit de communauté, donc le but c'est que tout le monde participe. Et que plus vous allez échanger et rouler avec des personnes différentes, plus vous allez progresser et vous amuser. Quoi. Et quand vous allez arriver sur GS Trophy, vous allez connaître plein de monde. Donc ça sera le plus sympa. Quoi. C'est plus rigolo de partager ça. Et franchement, vous avez besoin d'aide. Quand vous arrivez sur une épreuve, si quelqu'un peut vous dire « Attends, celle-là, laisse tomber, elle est trop dure ou elle est trop facile ou il n'y a pas assez de points », ce sera plus cool que si quelqu'un ne dise rien, dise « Ouais, vas-y. » Très vite, tout droit. Exactement. Barcelone, ça va être super intéressant parce que si c'est un plateau ouvert où tout le monde peut reconnaître, mais en même temps regarder les gens passer. On ne sait pas encore comment ça va se passer. Je pense BM ne le sait pas. Mmh. Est-ce que le premier qui passe, il a le droit de repasser? Donc, tu vois, est-ce que, qui va sûr. Le premier? Qui a des conseils à donner? Tout ça, ça va être vachement stratégique. Il va falloir vraiment réfléchir si c'est un truc très technique comme ça. Parce que là, moi, je peux vous parler de ma finale où justement j'ai gagné. Donc, j'ai fait premier, alors que Vincent, à qui je suis parti, a fait deuxième. Vincent, il roule 1000 fois mieux que moi. Mais il a tenté des trucs que je n'ai pas tenté parce que je savais que je ne passerais pas. Par exemple, le parcours de lenteur, à la fin, il se refermait trop. Avant moi, personne n'était passé. Donc, j'ai senti que je ne passerais pas. J'ai mis un pied à terre, ce qui fait des pénalités. J'ai fait glisser la moto et je suis sorti du parcours. Donc, j'ai eu une pénalité. Sauf que tous ceux d'avant moi, ils sont tombés. Parce qu'à force de vouloir tourner, et à un moment donné, on cale ou on touche le truc, ou Vincent, il est tombé. Et bien là, il perd vachement de points. Donc, c'est vachement important de savoir où vous pouvez lâcher des points. Et ça, c'est en observant les autres. Il ne va pas falloir se lancer n'importe comment. Mais au-delà de la stratégie qui devra être faite en septembre, il va falloir vraiment bosser ces trucs de lenteur. Et ça, ça ne dépend que de vous et du temps que vous allez prendre. Vous allez sur Amazon, vous commandez des petits plots. Ça ne vaut rien du tout. En plus, c'est un petit cercle. Juste pas le temps. Et vous vous entraînez en lenteur. Quoi. Et vous allez poser la moto, à l'arrêt, mais ce n'est pas grand-chose. Quoi. Et puis après. Hein. Et Julien Masson réagir. Qu'est-ce qu'il nous raconte alors? J'ai pas compris le commentaire de la régie. Et oui. C'est pas la peine de tout mettre en rouge. Mais apparemment, il y a du monde qui est motivé. Ah, d'accord. Ah, ok, ouais. Que, ouais, voilà, il est motivé pour s'inscrire au GS Trophy. Nathalie bon, aussi est motivée, Antoine aussi. Antoine, on compte sur toi pour représenter. Nathalie, sur les femmes, il y a vraiment encore plus un coup à jouer. Je vous dis que c'est accessible pour les hommes, mais pour les femmes encore plus. Je ne dis pas que c'est accessible à n'importe quel débutant, mais il y a moins de filles, du coup, il y a plus de chances. Et les motos sont prêtées. Alors, BMW est en train de mettre en avant et de faciliter encore plus l'accès aux femmes pour leur donner plus envie. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, donc ça, regardez, prenez pas mes mots à la lettre, mais de ce que j'ai compris, lors de l'événement à Barcelonnette, les femmes auront accès à une BMW. Et je crois que même si elles n'ont pas de BMW, peuvent participer ou s'entraîner. Enfin, c'est open. Donc, renseignez-vous, ça vaut le coup. Et même si vous n'y allez pas pour gagner, vous allez prendre une expérience qui va vous aider dans tous vos
ce que vous faites dans les chemins ou pas. Hein. Oui. Comme tu disais à Paris, si tu arrives à faire un petit dérapage, ben ouais, il y a plein de monde, un petit trottoir, un petit truc. Il y a plein de situations. Écoute, je pense que tu as écrit ça sautait en roller de la Tour Eiffel. Est-ce que ce serait pas là une nouvelle idée, tu vois? Ouais, je te laisse tester. Ouais, un petit peu extrême. Ah, ouais. Ça, c'est une bonne idée. Tu as écrit, ça me fait penser vraiment au Tom Barreur. On a ce Tom Barreur en vélo et en moto. Et lui, il est en roller. Des brillantes idées. Donc, on rappelle que sur la description, vous allez avoir le lien de toutes vos pages et de vos réseaux sociaux. C'est surtout là-dessus qu'on va suivre vos aventures. Mmh. Donc, nous, on va en relayer évidemment, notamment dès ce week-end. On va voir comment vous allez survivre. Vous arrivez déjà fatigué. Ah, on va bien dormir. Mais ça va être drôle. Ça fait partie de l'aventure aussi, j'imagine. Jusqu'à mardi, vous êtes avec Tom. Ouais. À partir de demain matin, il va y avoir des stories et des aventures. C'est ça, c'est l'idée. Suivez ça de près. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de suite? Je pense qu'on va clôturer. À moins que vous ayez d'autres choses à rajouter ou des questions qui ressortent, la régie doit nous le signaler. Ouais, bah merci d'avoir suivi ce live. C'était cool que vous ayez pu arriver in extremis. Pile poil, hein. Comme ça. Sur les derniers kilomètres, Clem, il était au moins de. Allez, avant. Dans le respect des limites, bien sûr. Ouais, bien sûr. Non, bah super. Ouais, et merci à Zulomotech de nous accompagner là-dedans. Bah, c'est clair. Merci à vous qu'on puisse partager cette aventure. J'espère que vous irez loin. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Vous êtes dans de bonnes mains déjà pour le stage. Survivez. Mmh. Faites étape par étape. Déjà, on va faire ça. La survie. Et c'est pas parce qu'on vous sort une Dream Team qu'il n'y aura plus de place. Hein. Les places sont ouvertes à tous. Et on soutiendra tous ceux qui feront le GS Trophy. Et si vous avez des questions sur lesquelles on pourrait vous aider, n'hésitez pas à nous contacter aussi. On n'est pas des experts en pilotage. Nous, on est là pour vendre des produits de protection pour équiper votre moto. Mais ça nous fait rêver. Donc, n'hésitez pas. On sera ravis d'en parler avec vous. Et de vous retrouver sur les prochains événements. Nous, on sera à l'Alt Moto Festival. On sera avant au Trail Adventure Days. Paul va nous rejoindre aussi en KTM sur le Défi Tour. Ouais. Pardon. Je mélange encore deux événements. 11-13. Quelle drôle d'idée. C'est une super idée de changer de moto aussi. Ouais. N'hésitez pas entre vous. Dès que vous changez de moto, vous allez repenser vos bases de pilotage, voir que ça freine pas, j'ai le télélever, tout ça. Voilà, ça, c'est des choses qui peuvent vous faire progresser. Quoi. Donc, suivez-nous et puis on sera content de voir vos progressions. Et j'espère que vous irez en Albanie. On va essayer. Ouais. Rendez-vous demain, du coup. Car pour le début. Salut tout le monde. À demain. À toutes. Ciao.